De la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Pour moi, ça va super bien. Bon, on se retrouve devant Koh-Lanta, mais c'est vraiment pas vraiment une série pour Koh-Lanta. C'est vraiment un vlog que je vous fais et qui va durer aller jusqu'à demain. Oh, moi, je suis pas dans Koh-Lanta, moi, franchement. Donc là, j'ai acheté un nouveau liquide qui est extrêmement bon. Et du coup, après, je vais aller jouer aux Sims sur ma console. Et puis voilà. Allez, je vous retrouve après. Donc là, je suis obligé de vous faire une vidéo comme ça parce que, bah, en réalité, il n'y a pas d'autre mot. Et donc là, après, je vais aller jouer un peu aux Sims, prendre la douche avant et jouer aux Sims. Et puis voilà, allez, je reviens quand on est, je vous retrouve après. A tout à l'heure. Hey, yo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pétez la forme. Donc là, pour ce deuxième vlog, on va dire en demi, là je vais aller me préparer. Parce qu'aujourd'hui on a des trucs à faire. On a des trucs à faire, même si vous le savez, on s'en fout. Et je dois aller d'urgence dans une autre ville. Voilà, donc qui est pas à tout près. Du coup, bah là on va y aller. Et après, bah on va aller acheter quelques trucs là-bas et puis voilà. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce qu'on va acheter, etc. On va acheter... C'est pas si compliqué que ça, en fait. En réalité, c'est même pas si compliqué que ça. C'est acheter une résistance, parce qu'en fait... Alors, j'ai dit peut-être acheter une résistance, parce qu'en fait... Déjà, faut que j'aille à la boutique en premier, puis la deuxième. Et normalement, je vais essayer d'aller à... À Jardiland. Parce que je dois aller récupérer quelques graines pour mon plantage, voilà. Donc en tout cas, si dans tous les cas j'arrive pas à avoir mes résistances, dans tous les cas j'achèterai des nouveaux liquides encore, voilà, parce que c'est vrai que il y en a plein là-bas, est-ce qu'il y a des nouveaux et tout bazar, bref. Après j'espère que j'ai pas fait la route pour rien. Parce que bah, si j'ai fait la route pour rien, ça va être un peu chiant. Et voilà, bon, je vais garder un peu de batterie et puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Donc là, je viens de regarder sur le GPS, on en aurait pour 23 minutes. Ça va, on va pas se plaindre, même si j'aurais bien aimé prendre les transports. Mais bon, je vais pas prendre les transports avec ce qui court en ce moment. Et voilà, dans tous les cas, je vais aller en vélo. Et puis, en plus, si je l'ai nettoyé, ça tombe bien. Bon, je vais boire mon café, je vais bien m'éveiller. Et puis après, j'y vais donc directement à l'autre boutique. Je pense que je vais boire mon café, m'habiller et après, ainsi de suite. Genre, ça va être une journée très mouvementée, moi, je vous le dis. Et normalement, je dois faire les courses. Voilà, je dois refaire un peu le plan de courses. Et après, dès que j'ai fini ça, je vais faire un peu le plan. Dans ce cas, je vais pas revenir à 18h, donc je serai là avant. Et dans tous les cas, je vous reprendrai après. Allez, à tout de suite. Donc, bon, ça y est, je suis prêt. Ça a été vite fait, hein, ça a été très vite fait. Alors, je suis pas, totalement coiffé. Je vais me coiffer un peu. Ah ouais, c'est vrai qu'il pleut. Je m'en suis pas douté qu'il pleuvait. Bon, ça a pas l'air si dangereux que ça, va falloir qu'on roule très doucement et très prudemment sur la route. Ouais, parce que bon, je vous avoue que quand il pleut, j'ai en fait des roues de camion. Et le souci, c'est quand il pleut, ça le fait pas, quoi, ça le fait pas. Et allons-y, frère, c'est que si je tombe, je tombe. Bon, allez, je vous reprends après. Bon, la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pétez la forme. Je viens de me faire un café, je sais pas si ça va être bon ou quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Bon, pour moi, ça va super bien. Bon, vous savez qu'on est tous au stade 3, ça y est, ils ont fait... voilà, ils l'ont décrété. Et j'en suis sûr, vous allez me dire, mais comment tu vas faire ta cigarette électronique? Je vais les... alors, les résistances, c'est ça qui m'inquiète le plus parce que je les ai pas commandées. Je vais très sincèrement les commander sur internet dès maintenant.
Parce que je vous avoue que là, en termes de résistance, j'ai plus grand chose. Donc, je vais commander ça sur internet. Et que comme ça, voili voilou. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut en termes de résistance. Pour faire ce qu'il y a à faire. Et ensuite, ensuite voilà, il n'y a pas à vraiment s'inquiéter. Et puis voilà. Allez, j'ai acheté un nouveau liquide. Allume ma cigarette. J'avais ma cigarette, allume. Allez là. Je suis en train de faire un manger. Miam. Je suis en train de faire des lardons avec tout le bazar. Alors je vais juste baisser un petit peu le feu. Parce que sinon, ça va être immangeable après. Donc là, j'étais en train de vous dire justement. J'attends de faire une sous en même temps. Que j'ai acheté un nouveau liquide. C'est excellent. Et là, j'ai fait une sauce au poivre. Donc là, je vais baisser le feu. Et je vais vous montrer le nouveau liquide que j'ai acheté. Je vais me poser là. Voilà. Bon. Là, c'est vraiment bien. Là, franchement, je retrouve le coup de la vape. Faut vraiment pas qu'il y ait une pénurie de pis, parce que là, franchement, ça va être la merde. Donc là, à partir de ce soir, je vais commander ça sur internet. Je vais mettre plus cher, par contre. Et du coup, ça va être galère. Donc là, je vais les commander directement sur internet et puis voilà. Bon, allez, je vous reprends après.